Madame la Présidente, bonjour et félicitations pour votre excellente direction de cette plénière. Honorable délégué, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale de télécommunications, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement et vivement le groupe d'experts informels pour le travail accompli à sa tête, son président, Monsieur Fabio, dans l'élaboration du document d'information du forum qui s'articule autour du thème politique visant à mettre les télécommunications nouvelles et émergentes au service du développement durable. Comme on le sait, le SMSI a établi des lignes et des principes fondamentaux visant la construction d'une société de l'information centrée sur les personnes, inclusive et axée sur le développement, à la garantie que chacun puisse bénéficier des opportunités offertes par les TIC en renforçant notamment la confiance et la sécurité dans leur utilisation. Afin que l'utilisation des technologies puisse favoriser la construction d'une vie meilleure et un monde plus pacifique et plus sûr, l'initiative de coopération numérique des Nations Unies mérite d'être mentionnée explicitement dans le rapport, notamment en matière d'économie numérique inclusive pour tous. Compte tenu de la fracture numérique qui prévaut encore aujourd'hui dans la plupart des pays en développement, dans le continent africain dont je fais partie, l'Algérie fait partie, les télécommunications et les technologies émergentes ont le potentiel d'accélérer la transformation numérique, faisant ainsi progresser les pays vers l'économie numérique et de faire bénéficier ces pays pour ne pas creuser davantage cette fracture. Nous proposons donc que les discussions et les délibérations sur les questions politiques et réglementaires relatives aux technologies émergentes fassent partie du programme d'action de l'UIT en tant que moyen de croissance socio-économique de nos pays. Les technologies émergentes sont considérées comme un outil essentiel qui touche tous les domaines de la vie, contribue grandement au développement de la société, simplifie au quotidien la vie des citoyens et contribue à l'atteinte des objectifs du développement durable. Elles sont une opportunité offerte à nous aujourd'hui pour atteindre ces ODD. Pour ce faire, nous suggérons de mettre en place l'écosystème approprié pour généraliser l'utilisation de ces technologies à travers notamment la mise à jour du cadre légal et politique correspondant, la modernisation et l'amélioration des infrastructures de base, le renforcement de la connectivité, la réduction du fossé numérique entre les pays, les femmes, les enfants, les personnes aux besoins spécifiques et le renforcement de la confiance et de la sécurité et bien d'autres engagements. Nos pensées vont particulièrement aux régions du monde les plus confrontées aux défis en termes de développement économique et de structures socio-économiques. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que le forum aboutira à des recommandations, quand bien même non contraignantes, mais en faveur de l'utilisation de ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les OTT, les IoT, les big data, etc., à bon escient avec l'aide et le soutien de notre organisation. Je souhaite plein succès au forum et je vous remercie de m'avoir donné la parole et je marque l'espoir que nous puissions nous rencontrer physiquement à l'occasion des grandes conférences de notre organisation, parce que nous sommes restés sur notre soif et sur notre frustration de n'avoir pas pu assister à ce forum physiquement. Et j'espère que cette pandémie disparaîtra un peu de notre horizon pour nous permettre enfin de nous retrouver à nouveau. Merci à tous et bon courage pour la suite. Merci infiniment.